Golden. Madame, Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Repos. Merci. C'est fini. La célébration du mérite constitue l'un des aspects de la fête des armées, qui vise à instaurer une saine émulation au sein des personnels. Pat, va prendre le micro. La discipline est l'âme d'une armée. Elle rend des nombres réduits. Procure la réussite aux faibles. La considération à tous, disait George Washington. En avant pour la reconquête de notre fierté. Pour l'édition 2021, 33 personnels vont se voir récompensés pour leur exemplarité dans le service. Ils ont été sélectionnés par leurs hiérarchies respectives au regard de leur rendement tout au long de l'année. Ils sont issus des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes ivoiriennes, des forêts et de la faune, ainsi que des affaires maritimes et portuaires. Ils se verront remettre un trophée qui sera suivi quelques instants plus tard d'une enveloppe au contenu confidentiel défense. Mesdames et messieurs, en raison de cet ordre, puis retiré tout de suite après pour être reconditionné. Oh!
robots sont incités à se mettre en place. Adjudant-chef major Yeblé Kwe Félix, des armées, en service au groupement ministériel des moyens généraux. Adjudant-chef Adjumané Kofi Foufier, de la gendarmerie nationale, en service à la division des ressources humaines au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Sergent-chef Yao Hudson Désiré, de la police nationale, en service à la direction de l'informatique et des classes technologiques. Sergent-chef Péa Dudonné, des douanes ivoiriennes, en service à l'unité mobile d'intervention rapide. Adjudant au bout Franck Innocent, des eaux et forêts, en service au parc national de la Koboé. Et l'adjudant Couillet Saint-Philémon, des affaires maritimes et portuaires, en service à la base maritime de Fréchville. Il fait quoi? Quand il y a des gens, il faut éviter trop de mouvements. Allons,
Mesdames et messieurs, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, fait don aux 33 récipiendaires des armées, de la gendarmerie, de la police, des douanes, des forêts et faunes et des affaires maritimes et portuaires de la somme de 11 millions de francs CFA. Sont invités à se mettre en place. Adjudant-chef Loba Caliste, en service au groupement des sapeurs-pompiers militaires. L'adjudant Thio Issa, de la gendarmerie nationale, en service à l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Sergent-chef Kosonou Tro-Venson, de la police nationale, en service à l'unité de régulation de la circulation. Sergent-chef Tano Kofi Kouma, des douanes ivoiriennes, en service à la direction régionale de Korogo. Sergent Kwasi Loukou Alphonse, des eaux et forêts, en service au poste des eaux et forêts de Tokoniere, direction régionale de Ferke. Et l'adjudant Seri Pikwe Davi, des affaires maritimes et portuaires, en service à l'arrondissement maritime de Tabou.
charge des logis-chefs, Guadio Kofi Gislain, de la Gendarmerie nationale, en service au groupement de documentation et de recherche. Sergent-chef Cissé Brahima, des armées, en service au bataillon de commandement et de soutien. Sergent Koulibaly Bakari, de la police nationale, en service à l'école de police d'Abidjan. Sergent-chef Cissé Niveau, des armées, en service au groupement 1 de la garde républicaine, et le sergent-chef Bakayoko Yakuba, en service aux forces spéciales. Chef d'état-major général des armées.